Salut à tous, c'est Samy, c'est J45, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir dans le titre, je me lance dans un full set PS3. Et oui, je suis un peu foufou, mais j'aimerais bien essayer de choper un peu tous les jeux qui sont sortis sur cette console. Maintenant que j'ai la console, voilà, et que je commence à avoir pas mal de jeux, j'aimerais bien me lancer vraiment dans un beau full set. C'est parti, je... Je fais voilà, donc on fait tout simplement la présentation de tous les jeux qu'il y a là, vous voyez, dans l'ordre alphabétique, comme vous pouvez voir. Donc on va commencer par les jeux sans chiffres, hein, sans nombre. Voilà, donc là vous pouvez voir tout ce qui est surligné en jaune, c'est des jeux dont je possède. Donc comme vous pouvez le voir, je ne possède pas 007 légende. Non, je pensais l'avoir celui-là, mais je le possède pas. Donc voilà, donc j'ai 007 Quantum of Solace, excusez-moi. Voilà, on fait un petit tour de tous les jeux que je possède déjà. Donc là vous pouvez voir, j'ai une fois d'expérience. Donc je possède aussi le Assassin's Creed 3, deux fois je le possède, puisque je l'ai en fait. Ah tiens, je les supprime parce que je sais que je les choperai jamais. De toute façon, là c'est vraiment un full set pur français. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai Battlefield 4 et le Battlefield Bad Company 2. Je savais même pas qu'ils avaient fait le premier. Et le 3, pareil, je pensais que je l'avais, mais au final, je ne l'ai pas. Donc voilà, c'est celui-là en fait qui m'a fait penser à ce que j'ai. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a trois 007 en fait. Mais, et comme il y en a un où il commence pas par 007, il commence par Gunstone 007. C'est pour ça que je me suis planté, je pensais avoir l'autre jeu 007. Donc là, j'ai Brink. Brink est un excellent jeu, magnifique, que je vous conseille à tous. Franchement, il me plaît pas mal. On peut s'amuser là-dessus. Alors là, je possède un buzz, mais je sais pas lequel, donc j'évite de souligner. Plus c'est un buzz, version portugais. Vous voyez, c'est pas tellement. Si vous voulez faire avec vous, on va aller sur Google Traduction. Oui, je regarde aussi avec 2.0. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Vous. Voilà, là tu vas aller sur traduction. Je sais que traduction, les profs d'anglais ils aiment pas ça. Google Traduction, ils aiment pas ça, les profs d'anglais. Hein. Voilà. Et le petit fake jeu. À mon avis, c'est le musical. Attendez, on va quand même faire tech portugais. C'est l'inverse. Buzz. Oh, ça doit être lui. Musical, ouais, ça doit être lui. Ouais, bon, bah, je souligne lui. Merde. C'est chiant ça. Souligne lui. Lui, et je vais préciser. Version. Porte. Ok. Voilà. Donc, voilà, je le possède. Là je possède 3 Call of, donc le Modern Warfare 3 x2, le Ghost et le Black Ops 2. Non, je ne possède toujours pas le 3, j'aimerais tellement l'avoir, je pourrais tellement le choper. Voilà, je possède également le Carnival Island, PSM, ça veut dire compatible PS Move, PlayStation Move. Là je possède Shield of Eden. Alors
Je l'ai testé une fois, je le trouvais un peu chelou ce jeu. L'intro, il était un peu chelou, mais bon, à ce qui paraît de Johan, le frère jumeau de Kirby Sacred Gate, il dit que c'est un excellent jeu, qu'il adore, mais qu'au final, ça me laisse redouter à essayer de le remettre dans ma console. Je possède également le Dark My Cry, My Cry Dark, le tout premier sorti, tout premier opus sorti sur cette console normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, je possède le Darksiders 2. Excellent. Ça, c'est excellent de posséder celui-là. Voilà, j'ai hâte de posséder aussi les Dark Souls et les. Ouais, les Dark Souls, parce que les Dark Souls, c'est des excellents jeux. Donc, comme vous pouvez le voir, je possède également le Destiny. Destiny qui est un jeu excellent. Enfin, que j'ai pas testé. Mais je dis que c'est excellent parce que, déjà, le 2, je l'ai apprécié parce que je l'ai testé à un ami, je me semble. Soit je l'ai testé, soit je l'ai vu pas mal de gameplay, mais il me plaît pas mal le 2. Donc, c'est dommage que le 2 n'ait pas sorti sur cette console. Qui est malheureusement sorti uniquement sur la PS4. Ce qui est dommage. Parce que, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas encore les moyens de m'acheter une PS4, ce qui est ballot. Donc, Apex, qui est un jeu. What the fuck? Parce que c'est un jeu. Alors, il est bizarre, il est nul, c'est un jeu de merde. Sauf que ce jeu possède une qualité incroyable. Et c'est ça que qui me plaît dans le jeu, c'est la qualité du jeu. On a l'impression que c'est dans la réalité, c'est vraiment. Voilà. Donc Fallout New Vegas, j'essaie de l'installer, je suis pas allé bien. Farming Simulator, je possède également. Far 2 Project Origin, donc ça, ce qui paraît, ce serait un jeu d'horreur. Mais bon, je l'ai chopé avec Skyrim. Ah oui, en fait, vous avez oublié, j'ai fait une petite erreur sur ma vidéo. C'était laquelle? Best of vide ruiné, je sais pas quoi. Le LN Noir, au final, je crois que je l'ai pas trouvé en vide grenier, je l'ai trouvé sur IZCash. J'ai fait une petite boulette, je m'en excuse. Au final, c'était le Skyrim que j'avais récupéré avec ce jeu-là. Au final, je me suis trompé avec le LN Noir. Je sais pas pourquoi les deux jeux me disent quelque chose. En fait, les deux jeux, pour moi, ils se ressemblent. Donc, du coup, je confonds le LN Noir avec le Skyrim. On se demande pourquoi, hein. C'est bizarre. Donc voilà, je possède les 4 FIFA, donc FIFA Street 3, le 16, le 15 et le 13. Formule One Championship Edition, je n'y ai pas encore touché. Bon, je pense que les jeux, je vais pas y toucher parce qu'en plus, déjà, la console, elle commence à être bien remplie en termes de. De place. Ouais, de place, de capacité de mémoire. Elle est déjà au bord des 500, 500 gigas. Donc, je sais pas comment je vais faire pour installer le full set dans une console même. Mais bon, on s'en fiche, de toute façon c'est une collection. Voilà. Grand Turismo, je le possède en x2 puisqu'en fait je possède l'édition Academy Edition. Et je me dis que l'Academy Edition, finalement, c'est pas un autre jeu de Grand Turismo 5. C'est le même jeu, sauf que c'est la jaquette différente. En gros, je possède les deux jaquettes de Grand Turismo 5. Je ne possède pas le prologue, malheureusement. Je possède les deux GTA, donc le 4 et le 5. Enfin, j'ai trop envie de choper les deux autres GTA. Ah oui, faut que je les chope. Az, je connais pas ce jeu, je le possède, bien sûr. Alors, faites attention, en fait, cette liste de jeux PS3 provient de Wikipédia. Et je viens de m'en rendre compte qu'ils ont oublié de mettre quelques jeux. Voilà, ces deux jeux-là, les deux Handball 16 et Handball 17, tout comme dans les i. Voilà, celui-là, ils ont carrément oublié de les mettre. Du coup, ce qui fait qu'on. Je pense qu'ils ont oublié de mettre plein d'autres jeux. Hein. Je pense vraiment qu'ils ont oublié de mettre plein de. Ouais. Parce que. Ils ont oublié de mettre ces deux-là, donc les deux handball, les deux jeux de handball, donc handball 16 et 17 et le 14 aussi, donc IF Handball Challenge 14. Donc faites attention si vous faites vous faites copier-coller sur la liste de Wikipédia, ils ont oublié des jeux, il me semble. Enfin, déjà, j'ai repéré trois jeux qu'ils ont oubliés, donc je les ai rajoutés dans cette liste. Ça risque d'aller un peu plus loin. Donc voilà. Alors, je possède également LN Noir qui est un jeu extraordinaire.
Il est magnifique. Ce jeu, il est extraordinaire. Parce que j'adore, j'y ai joué, je joue, j'essaie de continuer un petit peu l'histoire. Et j'aime bien ce genre de jeu où des poursuites policières, voilà. C'est carrément des poursuites policières. Enfin, c'est un jeu de policier et j'aime bien ça, les jeux de policiers. De toute façon. Bon, ce qui me gêne un petit peu dans le jeu, c'est vraiment le Moyen-Âge. Moi, j'aime pas du tout les jeux vraiment anciens. Enfin, qui. Par exemple, je sais que c'est en Angleterre. Non, je vais pas réussir. Non, ça doit pas être en Angleterre puisqu'il me semble qu'on doit rouler avec le Watt. Mais bon, c'est un jeu Rockstar et excellent. Voilà. Alors le Legendary, j'ai failli le choper puisque avec le lot, avec le The Last of Us et Soul Calibur 4 par exemple, qui est dans le même lot, il était dedans. Mais du coup, malheureusement, bah, il n'y a pas de jeu dedans, ce qui est ballot. Voilà. Donc Little Big Planet, le premier, je l'ai pas apprécié du tout. Je l'ai pas apprécié, je sais plus pourquoi, mais je l'ai pas apprécié. J'ai hâte de choper les deux autres pour savoir ce qu'ils donnent. Ah, c'est pareil, ils seront meilleurs. Mais le premier, il m'a manqué quelque chose dans le premier. Donc, voilà. Donc Londres 2012. Hein. Celui-là, il était. Eh oui, pareil, hein. J'ai repéré le CFR. C'est. Moi, je vais vous présenter tout à l'heure au fur et à mesure. Là, je possède également Minecraft, PlayStation 3 édition. Mario's Edge, qui est un jeu excellent que j'ai testé. J'ai testé le début. Et il m'a pas mal plu. Il m'a pas mal. Voilà. Alors. Motor Storm, alors j'ai mis P entre parenthèses pour Platinum parce que en fait le Motor Storm, en fait la jaquette c'est une jaquette de Motor Storm essentielle et le CD c'est un CD Platinum, ce qui est vraiment bizarre. Je l'ai chopé sous blister mais c'était pas un vrai blister officiel, donc je pense qu'elle a été déballée et à mon avis ils ont dû inverser les CD et quand ils ont voulu le revendre vers Cultura, parce que c'était à Cultura que j'ai chopé, ils ont remballé le jeu, mais vu que je savais que c'était pas une version officielle du jeu, puisque c'était pas un blister officiel, donc je voulais dévoiler. Ça sert à rien de garder un jeu. Pour moi, ça sert à rien de garder du jeu sur Twitter, parce que ça sert à rien tout simplement. À quoi ça sert? Donc, je possède également le NBA 2K13. Je ne l'ai toujours pas testé. Voilà. Là. Donc je possède le Need for Speed Shift en Platinum, malheureusement. Alors là j'ai mis un petit SB sur Need for Speed Hot Pursuit, parce qu'en fait, comme vous l'avez pu remarquer, c'est ce Need for Speed que j'ai eu dans une boîte de Need for Speed Most Wanted. Donc, du coup, bah, au final, je m'étais fait avoir au vide-grenier où j'ai chopé le lot à 3€, puisqu'il y avait un jeu, ce n'était pas le bon. Et comme moi, j'ai malheureusement le con de ne pas regarder le. De la boîte, bah, c'est bien fait pour moi. Donc, du coup, bah, j'ai le Need for Speed Hot Pursuit, mais sans boîte. Mais, enfin, si, il y a une boîte, mais avec la mauvaise jaquette. Ce qui est. Alors. Et de toute façon, il avait même pas la nuit. Voilà. Bref. D'ailleurs, je devrais faire pareil parce que j'ai un autre jeu au final que j'ai, mais c'était. Mais avec la mauvaise jaquette. Et la mauvaise notice, bah d'ailleurs c'est celui-là, je crois. Il me semble que c'est celui-là qui est dans la boîte d'un Medal of Honor. Hein. Ouais, je me suis fait mal. Donc, j'ai un. Alors ça va être le. Dragon Ring, ouais, c'est celui-là. Donc j'ai celui-là qui est en sans boîte du coup, puisque en fait il a une boîte, mais c'est avec la mauvaise jaquette. Et bien entendu, la mauvaise
donc là je vais mettre entre parenthèses CB qui veut dire 100 boîtes, puisque au final il est dans la boîte d'un Medal of Honor Warfighter, ce qui est quand même bizarre. Alors voilà, c'est le Pékin 2018, en fait ils l'ont mis en dans les B. Dans les B, en fait, c'est le même jeu. Donc, voilà. Bref, donc, les PES, donc je possède le 14 et le 17. Très content de choper le 17 parce que les PES, moi, je personnellement, je les trouve meilleurs que FIFA. En termes de qualité graphique et de gameplay, je préfère largement PES à FIFA. Je sais que je pense que pas mal d'entre vous seront pas d'accord avec moi. Oui, je sais que derrière vous faites vous dites non, c'est faux, c'est FIFA qui sont meilleurs que PES. Mais pour ma part, c'est un avis tout à fait personnel. Je préfère largement PES qu'à FIFA. J'ai même passé un peu plus de temps sur PES que à FIFA. Et ouais, faut croire que j'ai passé un peu plus de temps sur PES que sur FIFA. Quand j'ai chopé le 17, j'ai passé un petit temps fou sur ce jeu. J'ai tellement aimé. Pure football et pure. Alors, pur, j'aimerais tellement choper ce jeu parce qu'il a l'air excellent. C'est un jeu à posséder dans sa collection, dans sa ludothèque PS3. Et je n'ai toujours pas chopé, et ce qui est tragique. Donc, pur football aussi, donc je l'ai. Il m'a pas mal plu, hein, il m'a pas mal apprécié. J'ai bien apprécié ce jeu, ouais. Voilà. Alors, je possède Rocket Sport qui est un jeu exceptionnel. Pareil que Apex, il a une qualité graphique. C'est beau. C'est très très beau. Et je possède également Rage. Ouh, j'ai remarqué qu'il y a deux jeux de pêche sur PS3 de la même série, hein, je pense, parce que Rapala, ça doit être la même série. À choper. Et à mon avis, il doit être dur à choper. Ah, celui-là, j'ai oublié de préciser. C'est un Platinum, donc je possède également le Ratchet F Clank. Et en version Platinum, enfin, c'est le Al 4 One, mais je le possède en version Platinum. Red Dead Redemption, je le possède en deux fois, mais il y a un CD qui ne passe pas dans le console. J'ai remarqué qu'il y avait une grosse, ça doit être une grosse rayure circulaire, et c'est ça qui ne fait pas passer le jeu. Voilà. La vidéo va être très très longue, et oui, voilà, c'est celui-là. Alors, vous pouvez pas voir, et ouais, ça doit être des rayures circulaires de loin. Ouais, oh oui, il est inutilisable celui-là. Il est inutilisable. Oh la vache. Ouais, je comprends pourquoi il passe pas, parce qu'au final il y avait une belle rayure qui prend tout le circuit du disque. Une rayure circulaire qui est sur tout le disque. Et je comprends pourquoi il ne passe pas le jeu. J'ai bien. Heureusement que j'ai déjà le deuxième. Parce que si j'avais pas récupéré déjà un Red Dead Redemption, j'aurais chopé et j'aurais eu un Red Dead Redemption. Parce que en fait, le deuxième que j'ai eu, je l'ai chopé avec bien entendu le lot. Où il y avait The Last of Us et Soul Calibur. Je prends exemple sur les deux titres qui m'ont vraiment bien plu sur ce lot. Donc Soul Calibur que j'ai testé, mais The Last of Us je n'ai pas testé. Alors là, énergie. Hein? Résistance. C'est Terminator Résistance. Là, Saints Row 4 et 3. Donc 3 x 2, parce qu'en fait je possède des... C'est exactement la même chose que pour les Gran Turismo. Il y avait un gros paquet sur l'un des. Il y avait marqué gros paquet sur la jaquette. Et je pense que ça doit être le même jeu, mais il est différent. Alors sur les Gran Turismo, je pense que c'est sûr c'est le même jeu. Et sur les.
sur les synthros, je ne pense pas. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes chiffres. Genre, vous voyez, sur la tranche, il y a des chiffres bizarres. BLES 013 42 et 017 47. Alors, sachant que sur les côtés, ils sont. Voilà. À mon avis, ils ont oublié de le mettre, de le préciser. Moi, je le mets et je le rajoute. Donc, 103, 3. Copier. Coller. Gore, oui, gore. Voilà. Tac, je le rajoute dans la liste. Pour l'aider parce que voilà, sinon ça le fait pas. Sun Whiting, White Snowboarding. C'est skateboarding ou c'est snowboarding? Skateboarding? Oula, je crois que je me suis bourré là-dessus. Waouh! C'est skateboarding que j'ai. Pas snowboarding. Je ne vois pas qu'ils ont oublié également de rajouter celui-là. Eh bah oui. Ils ont oublié de le mettre. Il n'y est pas. C'est pas snowboarding que j'ai, skateboarding. Et ils ont oublié de le mettre. Excusez-moi, je suis concentré à écrire, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Eh oui. Voilà, alors skateboarding. Ça a l'air d'être excellent ce jeu, il a l'air d'être excellent. Putain, S, bah je suis là. Voilà. Non, pas voilà. Bien, par ici. Voilà, et c'est celui-là que je possède. Et non pas le snowboarding. Non, le snowboarding, je le possède. Je possède les deux versions. Mais sur la Wii et non pas sur la PS3. Voilà. Skate 1, 2, 3, je ne l'ai pas. Je ne les ai pas. Malheureusement. Ils ont dû le mettre, mais ils ne les ont pas mis. Ah, deux jeux que je voudrais extrêmement choper, les Street Fighter et Super Street Fighter. Ces deux jeux que je recherche également dans cette collection. Plus important, les Star Wars, le SSX également, le SSX qui est un jeu que je n'ai toujours pas malheureusement et que je cherche dans cette collection. Donc, je se possède de Sniper 2 Ghost Warriors. Warriors 2, voilà. Alors, M, il me semble que c'est. Ça veut dire quoi, M? Ah, je peux faire ça. Voilà. Cette vidéo va être extrêmement longue. Alors, Wikipédia. M déjà.
M indique si le jeu est jouable à plusieurs en. Ah, c'est final multijoueur, hein. Eh oui, c'est au final multijoueur. Donc comme vous voyez, le J, j'ai supprimé tous les jeux avec le marqué J parce que c'est sorti uniquement au Japon et au sorti uniquement en occidentaux. Je ne les ai pas supprimés parce qu'ils sont sortis en France. J'ai remarqué que la France faisait partie des pays occidentaux. Moi, dans les commentaires, si je me trompe, à mon avis, je dois me tromper, mais non. On fiche si je me trompe ou pas. Voilà. Bon. J'aimerais en fait faire un full set de toutes les consoles, mais ça risque d'être compliqué, surtout sur 3DS, sachant que les jeux 3DS, il faut mettre bien le prix haut pour obtenir les jeux 3DS. La 3DS, il faut mettre les prix haut. Donc, je peux peut-être ce comme confrontation. Excusez-moi. Je ne l'ai toujours pas testé. Je possède également Sonic the Hedgehog. Je n'ai pas tellement apprécié ce jeu. On se demande pourquoi. Enfin, je me demande pourquoi j'ai pas apprécié ce jeu. Oui, ça vous paraît bizarre. Pourquoi? Voilà. Je n'ai pas tellement apprécié ce jeu. Parce que je crois que quand je vais essayer de le tester, c'est pareil que le Lethal Big Planet. Il y a un truc qui fait que je n'ai pas du tout apprécié ce jeu. Donc, Soul Calibur 4, un excellent jeu, un excellent titre à avoir dans sa collection. Je pensais qu'il était rare ces jeux, les Soul Calibur, je pensais qu'ils étaient assez rares. Mais au final, non, ils sont pas si rares que ça. Spider-Man, la Reine des Ombres, que je possède également. Voilà. Les deux Sport Champions, qui sont des excellents jeux. Voilà. Donc Terminator Renaissance, The. Voilà, c'est Skyrim ça. Ça c'est Skyrim. Donc The Elder Scroll Skyrim. Celui-là au final il existe. Alors celui-là je pensais le posséder. De final. Je l'ai pas. Je pensais que je l'avais mais non. Non. Ah bah si, celui-là je le possède, mais sur PC, pas sur PS3. Et ouais, je possède sur Steam ce jeu. Tac, je le possède sur Steam. Alors là, The Last of Us, je suis très content de l'avoir. Très content. Même si je pense que je vais pas y toucher, très content pour moi parce que c'est une pièce à avoir dans sa collection ludothèque. Dans sa ludothèque PS. This Vegas? Vegas? C'est cool. Je verrai ça tout à l'heure. Tigerwood le 7, le tout premier Tigerwood sur cette PS. Voilà. Alors le premier, j'ai perdu, ouais, j'ai perdu les commandes de ce jeu. Je sais pas du tout comment jouer. J'ai l'impression que la manette ne veut pas jouer. Donc voilà, je dis, j'ai perdu les commandes sur ce jeu. J'espère que les autres jeux de Tigerwood ont été mieux. Parce que le premier, j'ai perdu totalement les commandes. Je sais pas du tout comment jouer. C'est ça qui m'a retiré, qui m'a gêné dans le jeu. Donc Top Spin 4, voilà, un jeu de tennis, il est parfait. Les Top Spin, les jeux de tennis sur cette console, ils sont extraordinaires. Comme Racket Sport, Virtuel Tennis 3, que je possède, mais que je n'ai toujours pas présenté dans cette liste. Transformers, la revanche, voilà. Terminator. Voilà, Terminator Renaissance. C'est avec ce jeu-là que je me suis dit, tiens, Renaissance. Voilà. Uncharted 3. Et ouais. Uncharted 3. L'illusion du track. Ouais, ça doit être ça, hein. À mon avis, ça doit être ça. Donc, Virtual. Virtual Tennis 3. Voilà. Vite, qui est un jeu très, enfin, que je connais pas du tout.
Ah, c'est celui-là que j'aimerais aussi choper, le Watch Dogs. Ah, Wanted. Wanted aussi, j'aimerais bien choper le jeu. Wanted. Wolf's Festing, qui a l'air d'être un jeu assez sympa à y jouer. Et c'est tout. Bah voilà, c'est tout. Donc je possède. Oh, j'ai pas envie de compter. J'ai pas du tout envie de compter. Ah putain, j'ai pas envie de compter. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, j'ai oublié 32 avec celui-là, mais finalement, 31, ouais. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, je déteste compter, 48, 49, 50, 51, 52, 53, j'ai fait compter deux fois dessus. 54, 50, ça fait 26, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63. 63 jeux. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette très très longue vidéo et cette première vidéo de 2019. J'avais oublié de la préciser. Je vous souhaite à tous une excellente année. Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Enfin, je bug un petit peu. Pourtant, je bégaye jamais. Hein. Je bug un petit peu. J'espère que cette petite vidéo vous plaira sur cette annonce exceptionnelle, enfin fou. Ouais, c'est une annonce folie. Hein. Essayer de faire un full set PS3, essayer d'avoir tous les jeux de cette console. En plus, je pense que je vais bien m'avancer puisque j'en ai pas beaucoup des jeux. Donc je pense qu'il y aura pas mal de jeux que je vais trouver facilement. Bon, peut-être pas celui-là là. À ce qui paraît, celui-là c'est un jeu extraordinaire et qui est très très rare sur la PS3. Donc c'est le Alice, retour au pays de la folie. Et ouais. À ce qui paraît, c'est un jeu extrêmement rare sur cette console. Ouais, qui est très très difficile à trouver. Ça va être plutôt celui-là. Ouais, ça va être celui-là qui va peut-être me poser souci sur ce full set. Et aussi, ça va être aussi celui-là, ouais. Un jeu de bowling. Ouais, je l'ai pas beaucoup vu en boîte en France. Le Brunswick Pro Bowling, ouais, je l'ai pas beaucoup vu. Je pense que ça va être un des jeux qui va poser souci aussi. Il y en a pas mal qui vont me poser souci sur ce full set, mais bon, on perd pas espoir. Ou Actua Tennis, ça a l'air intéressant comme jeu. Ouais, les deux jeux de bowling, ouais, les jeux qui vont me poser de souci avec le Alice. Il y aura d'autres jeux là-bas, bien sûr. Voilà, donc le deuxième jeu, je crois, c'est le Velocity. Dans les V, donc Velocity, normalement. Bref, voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo pour la présentation de la liste de jeux PS3, donc le full set, annonce full set PS3, et donc montrer tous les jeux PS3 que j'ai soulignés en jaune que je possède, et j'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye!